Il fait moi un grand plaisir pour rejoindre nous pour nous bonnes nouvelles sports. Bienvenue pour suivre. Pour une deuxième année consécutive, la Coupe Président Issot Canal et Alpralin, destination Côte d'Or. Eh bien oui, ça, l'équipe pralinoise réussit à défendre son titre remporté l'année passée contre Saint-Louis, par faire victoire 1-0 au Champion League et que la Coupe Fédération Foresters de match l'ouverture saison hier Stade l'unité. Goal remplaçant Charles Rakoto, un penalty dans la deuxième moitié, tient assez pour faire sa différence dans sa match. Dernière fois qu'il aide l'équipe Tizouen, tire dans la finale de la Coupe Fédération, contre la score finit 4-2 en faveur Foresters. Simon, dans l'esprit sa l'équipe qui, saison passée, t'y fait un doublé, tout tape Mazine commence saison l'eau un bon hôte, pas ajoute sa la Coupe Président dans son collection. Et Bounet, dans sa première 45 minutes, tient un peu tranquille. Raison, c'était qui, tous les deux l'équipe, tu peux étudier camarade. Mais à un certain moment après, match, tu sens l'atmosphère. Quand la Foresters, tu sens l'équipe plus prudent, que soutient la recherche un premier goal. Un qualité joué qui parfois, tu mettais en question la ligne défense Côte d'Or. Et ça, tu fais un conseil pour l'entraîneur Basile Waro. Mais tout reste encore bien pour son équipe parce qu'elle a fait sa première 45 minutes. Tu n'as pas aucun goal. Simon, tu n'as beaucoup pour l'aider l'entraîneur dit d'investir. Être conscient, je suis noir qui m'a Foresters, il est venu commencer. Il a commencé, il commence avec une intensité, avec un speed. Avec dit nous, on nous sait absorber la pression en même temps, mettre plus aussi la pression. Défendre derrière boule, d'organiser bien. Ok, mais dans le défensif, ok, nous ne pouvons pas récupérer boule, nous avons plus boule qui nous, mais c'est pas nous qui avons fait le compte d'avancer. Ni compte d'avancer. Ok, à cause de perdre boule trop facile. Après pros 6 mois, côté public qui fait son retour dans cette l'unité, les autres types expectés voient plus d'action et goal dans la deuxième moitié. Et si tu prends un goal bonnet dans sa half, ça t'y devrait être pour Foresters. Dans position claire, après qui défenseur Gervais Saminadin y fait vilain faute, et goal qui par l'espérance y fait bien quitte son ami goal, Leroy Corali un petit peu trop pressé pour mal calculer tout. Pour sa sens manquer, Zotine capable de gagner Pini de 3 minutes plus tard. Sans clair, il tombe pour Colin Esther, mais lui pour mettre son shot droit à l'équipe Kitson Cécile. Sa sens manquer, t'emmène plus détermination pour Côte d'Or. Depuis là, pour un bon pelletan, Zotine dominant, tout en prenant compte à la recherche sa premier goal. Action ici, Zoli Cross Charles Rakoto, Tizis bon pour la tête Perry Monet, mais qui passe ici, il y a peine tous boules pour qu'il score 0-0. Mais tout pays frais pour sa l'équipe en orange dans 78e minute, le temps Kimeli y fait faute le Monet de carré, refri Adelaide, il signale penalty. Parce que Monet, c'est Mélanie. Mélanie lève son pied avant l'air. Et Monet lui dit merci Seigneur. Il a le corps. Voilà. Non, non, voyez, là, il lève son boule pour battre lui. Et ça, il est ouais, il y a un petit temps à l'équipe qui peut le taper. Alors, équipe pour taper, penalty là. Remplaçant Charles Rakoto, il fait score li 1-0 pour Côte d'Or. Foresters, si encore croit qu'ils sont incapables de sauver sa match, dans la dernière minute, le temps additionnel, mais lui, il rate sens pour envoyer sa match dans penalty. Donc, victoire 1-0, il fait équipe pour une deuxième saison consécutive. Côte d'Or, il champion la Coupe Président. Il commence un petit peu doucement. Après Foresters, il est pour venir nous, mais nous nous jouons un peu plus précaution. Vu qu'il y a un seul match, et pas été dit, 90 minutes, il y a la prolongation. Mais nous, l'objectif, c'est de faire façon de nous mettre goal avant pour nous faire essentiel. Là, qui va un petit peu Côte d'Or à présent? Je le connais, ça est mon premier trophée de football qui m'a gagné avec une équipe de première division. Donc, ensemble avec le management, avec nos bons joueurs, nous parlons là pour nous c'est faire plus meilleur que nous avons fait la dernière saison, même dans la Ligue, avec tout le reste de la Coupe qui reste. Peut-être tous les teams, premier half, un peu qu'un seul de l'école, tactiquement, tous les teams, une set un peu même pareil. Sur le football, c'est un peu scrappy, un peu guetté. Désappointé à cause, on connaît un team qui en a beaucoup plus de qualité que ça, en tout cas, fait plus bien. Nous avons mal sensé injury avec Ryan qui donne nous a débordement dans les ailes qui nous prend l'espace. So, aujourd'hui, nous avons pas vraiment tout fait avec un grand débordement. Nous avons football un peu en dedans, un peu scrappy. Mais seulement, le football est comme ça. Le temps qu'on a un score, besoin de score. Je crois que nous mettons un goal au dernier rêve pour faire un Noël, mais malheureusement, nous avons dehors. Seulement, nous désappointons, nous perdons la coupe. Mais le football continue tout le temps dans l'autre match.
Donc, encore une fois, Nadi, félicitations l'équipe Côte d'Or. Dans le volleyball, dans des matchs en deuxième division, dans le cadre de tournoi pour la Coupe Land Marine qui nous est aujourd'hui, il y a un Neo Youth qui bat Airwaves Lad 3-7 l'ON, tandis que Saint-Louis il fait victoire 3-2 l'Ou Outsiders. Mais entre-temps, dans la compétition pour bonne femme en première division, à suivre Stello, bon semaine défendre son titre. Hier, je sorti un 7 derrière pour autres faire victoire 3-1 le City Ladies. 7 scores 21-25, 25-21, 25-9 et 25-15. Trainer Zilia Onesi, Mitchell Aubin City Ladies, Védi, Tibou Bézouin, Alice Ibataïdi, contre son ancienne équipe à Sou. Donc, le côté Banzoué City Ladies, Tibou essaye emmène. Entraîneur Onésime fait une victoire le son ancienne équipe Assou Lichenazot titre la Coupe Land Marine pour défendre Assou commence à mettre un petit peu de pression le Sazoué il fait score 8 le 6 Thibonet là de sa première set City Lady à travers le jeu clé Angélique Adeline et doucement retourne dans le jeu les autres fait score arrive 12 le 9 la salle équipe en veille continue la guerre fort pour les autres réduit sa l'écart score 18 le 15 mais quand même ça les autres ont encore derrière Assou l'équipe est resté concentré dans d'autres jeux. Là, d'autres teams voient retour les deux bonnes qui ciment emmène une différence pour sa l'équipe. Il est qui score est resté très proche 18 à 9. Tiens premier set contre Fonedi tient la bataille et la tournée de l'équipe tape donné même contre capitaine Atlin tient corps puis reste toujours bien dans jeu pour son équipe et l'air qui cite les dix c'est tout dans le dernier moment set ces autres qui viennent tiper ça raconte la tient bien parce que c'est un bon moment tout tiper je plie bien là ça l'équipe cite les dix les autres pour aller pour voir si qu'ils ont remporté sa premier set même si mal commencé mais bien fini 25 le 21 pour faire arriver N Le zéro, champion de la Coupe Land Marine 2019, Zota Tiana Zot titre là en jouer, les autres qui perdent de sa première set. Mais là, qui deuxième set, si tu l'as dit, il voit Zot devant 14 ou 13, à soutien en concerne, mais volleyball, tu restes encore beaucoup pour jouer. Avec Banzoué capable de volleyball de sa équipe Assou, qui tout de suite rend sa rencontre très saut. Score est resté serré même 15 à 16, bien dans l'avantage de sa équipe en vert. Mais bon, moment qui Assou, ils passent un petit guide plus fort. Ils ont sorti un petit peu de jouer avec Bi qui sont capables de faire différence. Depuis là, tu n'as pas le temps pour Assou croire qu'ils ont un perdu sa rencontre. Dans l'équipe, ils ont un joueur capable qui capable faire une décision côté sa rencontre pour aller. Là, tu clair qu'ils ont continué faire une différence. Le joueur, là, Assou, il mettait un petit peu, quoi qu'ils ont tiré dans le passé, qui ne fait toujours rester ça la force de volleyball. 23-19, si tu le dis, il est simplement bloqué dans le jeu, pas capable d'avoir performance sa première set. Assou, tranquille, il égalise sa rencontre. Les autres prennent sa deuxième set. 25-21, là, tu n'arrives pas à tout. C'était le troisième set qui a Assou et bascule sa rencontre complètement sur l'avantage. 10 à 5, c'est clair que City Ladies ne perd net. C'est clair que là, que City Ladies ne perd net même. Même dans la réserve, tu n'as pas rien pour aller essayer de fouiller. Laisse déjà une abode et que la compagnie démontre qu'il les autres ensemble, les autres costés, les autres restent plus forts. Simon Assou, tu peux voir les autres encore, restourne ça la force qu'ils ont été dans les passés. 28, City Ladies, champion de la Coupe Fédération, saison passée. Tu vois, tout en bas, beaucoup de pression. Différents batalons nous capables de dire, tu as très peu pour faire. Assou, avec plus de qualité de jouer. Et là, je te fais si, qui n'a rien pas qu'il y de sa deuxième set. Assou prend Pessa City Lady, jouer Simon là, ses autres qui ont contrôle, fait tomber sa l'équipe City Lady. En Pessa, arrive jusqu'à 10. Assou prend sa troisième set, 25 à l'ONEF, pour faire score arrive de l'ON. Quatrième set, City Lady essaye de retourner avec Bi, qui est capable de retourner à temps et essayer de jouer même. Tout de même, pour autres croire qu'ils sont capables de voir sa rencontre dans le cinquième set, disparaît la partie mal dans le terme qualité de jouer. Après, c'est clair qu'ils ont un petit peu manqué un petit peu sa qualité. Moment qui a su mettre la pression, la tenant de jouer sorti contre toute l'équipe. Mais là, qui a su faire score arrive 16 le 12. Si tu les dis, tu as doucement, fait qu'il se rencontre et quitte zone là de sa quatrième set.
t'as pas capable de revoir cette performance premier set. Dommage là pour ça l'équipe City Ladies. Assou, il restait 10 et solide le jouer 21 le 13. Depuis là, Zoé City Ladies, Ivoazo ta tombe net, Lis Assou capable d'y plier vie et n'en rien pas le mal. Assou connaît qui si zot en vie arrive de la finale, après c'est défendre zot titre, zot connaît côté semaine passé pour arriver. Alors, tout rencontre y intéressant, important. Assou sorti la tête en l'air et fait une différence là. Fait si qui zot voit zot bien capable d'y zot fait tomber City Ladies 25 le 15. Généralement satisfait de la performance de l'équipe. Nous commençons un peu doucement. Je crois que bon peu de temps nous pas joué. Nous avons joué à la compétition 4 contre 4, mais pas pareil, 6 contre 6. Seulement, nous commençons un petit peu doucement. Seulement, le temps nous commençons à gagner un momentum. Après, là, nous avons fait ce que nous devons faire bien et nous gagnons ce match. 3 l'ON. Performance pas mal, 50-50 à cause. Bonne soirée, fait que regrouper. Quand tu prends l'insipon dans le volleyball, si vous n'avez pas. Ça nous fait que regrouper. Mon père et autres. Pour être capable de mettre l'équipe ensemble, pour nous participer à Digito, voilà. Mais seulement, là nous voyons, nous sommes capables de l'équipe. Sauf que nous avons travaillé pour faire plus bien. Assou, pour à présent, jouer contre Montfleury dans la semi-finale. Montfleury et l'équipe perdant dans l'autre poule. Nous prenons encore volleyball dans une nouvelle prochaine nouvelle sports. Mazou, merci pour suivre et passe une bonne semaine.